Salut, station fréquence, les mains sur 1351 vous tous de la part de Dundee 33. Et c'est reparti pour le QSO national du Canal 27. Alors comme à chaque fois, une petite vidéo pour motiver les troupes sur l'ensemble de la France. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Les 73 Eric, oh, je t'entends petit, c'est vrai que de mon côté, là, j'ai pas mal de QRM, c'est que là, c'est pas mal humide, là, moi, sur le secteur, donc à chaque fois, quand le coin est humide, comme ça, ça me fait monter les QRM, quoi. T'es un enfoiré. T'es un enfoiré, je te déteste. Hachi. Non, c'est super. Ouais, je l'ai entendu là en fin d'après-midi, début de soirée. Mais bon, j'ai pas eu le temps là aujourd'hui de me mettre en fréquence. J'ai eu d'autres priorités. J'avais de la famille, plus la voiture de fiston à m'occuper. Donc bah là ça m'a pas mal pris l'après-midi. Donc, eh bien, j'ai juste eu l'occasion de l'entendre en fin d'après-midi, c'est-à-dire au moment où j'ai commencé à balancer l'annonce pour un peu partout, là, pour le QSO de ce soir. Il m'a semblé entendre quelque chose, mais là j'ai environ 4-5 points de 4 points sûrs là, de QRM. Donc là c'est vraiment pas évident là de mon côté là ce soir. Avant de zapper, j'ai un QSP à te faire de la part de Pascal B, pour ne pas dire son nom. Alors, salut Rémi, pourras-tu dire à Eric, 14 8 ans Echo 27, 027, que j'ai passé le lien du site www.27690 à mon beau-père Jean-Claude, Max 77, indi, ou 14 JC001, qui fait de la radio et qui est président du modèle club modélisme naval et aéronautique d'Avon, Fontainebleau en Seine-et-Marne. Merci à toi. Bon ben voilà, le QSO est fait, et si tu le zappes, tu pourras le réécouter à nouveau dans la vidéo. Ah ben là le QSO il est démarré là déjà, hein. Et c'est vrai que là ça va être un petit peu compliqué de mon côté, vu que là j'ai quand même 4 bons points de QRM. Alors les premières personnes que tu entends, vas-y là, saute leur dessus. Parce que là ça risque d'être un petit peu coton là de mon côté, quoi. Beaucoup de QRM surtout, ouais. J'ai 4 bons points de QRM, tu passes juste dessus à 5 points, et c'est tout ce que j'ai là de mon côté là. Bon ben en attendant que les OM arrivent,
est-ce que tu connaîtrais des fois un logiciel qui te permet de mettre un ordinateur en kit main libre pour avoir le téléphone portable dessus, quoi. Comme disons que l'idée c'est de faire avec l'ordinateur comme on peut faire dans la voiture par exemple avec l'autoradio. Voilà, ce serait un petit peu ça l'idée, quoi. En Bluetooth, c'est-à-dire par exemple dans le push, je vois moi pour ma part là dans le push, j'enclenche le Bluetooth de mon téléphone, je garde le téléphone dans la poche par exemple, et je peux envoyer ou recevoir des appels via l'autoradio. Voilà, et là tout à l'heure justement j'ai eu cette idée là qui m'a passé un peu par la tête. Et je me dis après tout, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de faire pareil via l'ordinateur? Toujours sur le même principe, le téléphone portable mis en Bluetooth, tu le gardes dans la poche et tu téléphones via l'ordinateur, mais toujours en passant par le téléphone portable, quoi. Non, mais c'est une idée tordue qui m'est passée par la tête. j'ai un kit oreillette, hein, c'est pas le problème. Mais là, c'est une idée qui m'est purement passée comme ça, quoi. Je me dis, tiens, ce serait pas con, ça. J'ai un petit peu regardé là sur Internet, hein, du côté des logiciels gratuits, libres. J'ai rien trouvé. En payant, apparemment, il y a du côté de Skype, a priori, sous réserve. Mais attends, je paye déjà un abonnement pour mon téléphone. Je vais pas payer un autre truc en plus pour juste m'amuser comme ça, on va dire, à l'occasion, quoi. Alors, c'était juste comme ça, là, une idée. Voilà, ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, on va approfondir un petit peu ça pour voir un peu s'il existe quelque chose, quoi. Je crois qu'elle était bonne, la bière, là, ce soir. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, là, c'était juste là une idée. Je regardais un petit peu comme ça, là, à tout hasard. Je suis tombé sur le forum Linux, par exemple, Fedora. Bon, même du côté Linux, ils ont rien, là, en application libre. Non, apparemment, c'est étonnant que personne n'y ait pensé encore. Pourtant, c'est un système qui est pas mal utilisé, justement, par exemple, en voiture, là, avec avec l'équipement libre via autoradio. Je suis un peu étonné que personne n'ait pensé à le faire via ordinateur, quoi. Ah oui, alors que là, non, c'est vraiment que kit main libre pouvoir téléphoner via l'ordinateur en utilisant le téléphone portable mis en Bluetooth dans la poche, quoi. C'est vraiment le truc de base, c'est-à-dire à la place du kit oreillette, eh bien,
tu reçois ou tu envoies les. Bref, t'es au téléphone via l'ordinateur, quoi. Mais en passant par le Bluetooth via le téléphone portable. Attends, je me mets à bafouiller, là, je vais y arriver, là. Alors, brancher le téléphone, alors attends, là après, ça dépend peut-être du type de téléphone. Là, moi, c'est un vieux iPhone que j'ai, et à part récupérer les fichiers dessus, ou alors me lancer automatiquement iTunes, c'est tout ce que je peux faire avec. À voir. Vas-y, Fémine, dis-moi. Non, mais disons que là, dans l'idée, c'est faire exactement comme on fait dans la voiture, via l'autoradio, en toute main libre, reproduire exactement la même chose au niveau de l'ordinateur. C'est. Faudra que je vois ça. Faudra que je creuse un petit peu l'idée pour voir. Sauf que là, c'était vraiment en logiciel. Et ce qui fait que, bon, bah, là, pour le coup, tu utilises le micro et le haut-parleur de l'ordinateur. Voilà, c'était c'est ça, quoi, dans l'idée. Connecté avec ton portable, voilà, t'es pas obligé d'avoir un kit manip, si ça joue pour vous, si t'as un autoradio qui le fait, voilà, et qui parle carrément avec, voilà, t'as pas besoin de kit manip. D'accord, ok. Tu as déjà vu mon téléphone, c'est ce que je me servais moi dans mon camion. Ouais, d'accord, ok. Ça, c'est le genre de comportement que je déteste. Ok, t'as là, j'ai un peu de mal à te sortir là sur le coup, là sur la fin. Enfin bon, je vais essayer de sortir, il n'y a pas de problème.
Ouais, Skype, c'est payant, ouais, effectivement, ouais. Mais tu vois, là, c'est dans l'idée, c'était vraiment que ça, pouvoir utiliser le micro et le haut-parleur de l'ordinateur en guise de kit main libre, là, via le téléphone de la poche, quoi, par Bluetooth. Mais autrement, Eric, bon, mon téléphone portable, bon, tu le sais très bien, hein, quand je suis au pro, je le mets en modem, et là, j'ai mon accès à Internet, il n'y a aucun problème. La vache, putain, j'ai le QRM qui monte. Au secours, au secours. Ouais, puis en plus, imagine. Ouais, évidemment, le truc que ah, Zeta, est-ce que je vais y arriver? La reconnaissance vocale. Ouais, ok, d'accord, mais imagine, le Marseillais qui se met à piloter là son ordinateur avec reconnaissance vocale. Ah ben, il est pas là, il est pas dans la merde, là, pour le coup, avec son accent. Hachi. Ouais, c'est clair, oui. Ah, moi, je suis dans le merdier complet de mon côté, là. C'est monté à 4-5 points de QRM. C'est clair. Et au fait, ouais, j'ai entendu un petit peu ça là aujourd'hui. C'est vrai que là en ce moment la propague, à ce qui paraît, là c'est pas mal, hein. C'est à fond, hein. Ah ben tu m'étonnes, c'est sûr, oui, non mais on peut pas être partout, hein, c'est clair, hein. Et puis bon, demain, j'ai aucune idée si je pourrais me mettre en fréquence. Ben on verra bien, c'est de toute façon je prends comme ça vient et puis c'est tout, hein. Putain, j'ai rien compris là. Désolé, Eric. Est-ce que tu peux mettre un peu plus de puissance histoire de passer au-dessus de QRM que j'ai moi ici là? Ah, là, ça a été mieux là ce coup-ci. Oui, je te le dis, tu as réglé ton petit problème.
tu sais que moi déjà c'est un gros problème, moi. De quoi tu parles? Ah, Facebook. Oui. Attends, faut que j'aille la ventilation là. J'ai le chauffage là qui chauffe un peu trop là. Là, comment tu dis, le cabaret, oh merde, pas le cabaret, bon d'accord, tu m'as compris. Oui, c'est réglé. En guise de mot de passe, j'ai mis carrément une phrase. Entrecoupée de quelques trucs. Là, ils ont été très contents. Tellement contents que pour le coup, il a fallu que je fasse une... il a fallu que je repasse par mot de passe oublié, qui me redonne celui-là que je l'ai enregistré. Bon, c'était un petit peu abracadabrant, mais ça y est, c'est fait. Et maintenant, par contre, ce que je fais, bon, c'est un petit peu casse-pompe, mais dès que je me connecte, ou dès que quelqu'un se connecte à mon compte, je reçois un email. Donc, que je valide et tout, ce qui fait qu'au moins comme ça, je suis sûr d'avoir un suivi de ce qui se passe au niveau de mon compte. Parce que là, c'est vrai que là, c'était un petit peu casse-pompe, là, ce truc-là. Ah ben à chaque fois j'ai une phrase complète à taper quoi. Pas de soucis. J'ai entendu aussi tout à l'heure, notre ami Daniel aussi, qui s'est appelé que le Gatineau, Gilles, il voulait essayer d'avoir l'autre, il n'a pas réussi. Et puis voilà quoi, donc j'ai dit tiens, peut-être qu'il sera là ce soir, là même pas. Ah, j'ai le QRM qui a baissé, enregistré le break. Il n'y a pas de problème, la station derrière, les bandes 73-51, toi de la part du QSO du Canal 27. Je voulais dire un truc en avant le break. Alors, je sais pas qui c'est qui a breaké, ici, Pelzégan, QTH Miramont, est-ce que c'est reçu pour toi, Attends, c'est Eric ou... c'est toi, Belfegor? Tiens, c'est les bandes 73, Belfegor. Tiens, ça fait un moment qu'on t'avait pas entendu. Tout à fait, ici Belfegor, opérateur Jean-Marie, département 47, QTH Miramont. Oui, c'est moi, il n'y a pas de problème. Voilà, QSL. Ah ben tu m'étonnes, 200% QSL, j'ai même été surpris parce que là, sur le coup, vu que j'ai un QRM en même temps, tu m'arrives avec même un petit peu plus, un poil plus fort que Eric. Et au niveau de la modulation, c'est un petit peu pareil. Là, c'est pour ça que sur le coup, je t'ai demandé si c'était bien toi ou alors Eric qui avait repris le micro. Ben comment vas-tu, Belfegor? Eh bien, ce soir, c'est un petit peu calme. Hier soir, oui, il y avait du monde. Hein. Bon, par contre, évidemment, là, il manque des OM. Parce que, bon, ben, il y a aussi la tempête qui est en ce moment, là, sur certaines régions. Putain, là-bas, j'ai vu ça, là, il y a des dégâts, hein, par endroits. Hein. De ton côté, un peu plus au sud, sur le 40, tu as Philippe. Bon, déjà, hier soir, il n'a pas pu être là, justement, à cause du vent, de la tempête, là, qu'il y a. Ce soir, bon, de toute façon, il n'a pas intérêt à monter l'antenne. J'espère pour lui que ça ne s'est pas cassé la figure. Surtout avec sa directive. Il a une directive qui fait 14 mètres de long. Hein. En espérant qu'elle n'est pas partie avec le vent. Après, ben, les autres stations, je ne les entends pas, moi, de mon côté, là, pour le moment, car, ben, comme je disais tout à l'heure, ce soir, vu que j'ai le secteur là, qui est pas mal humide, et ça me ramène automatiquement du QRM. Ouais, mais c'est reçu, Rémi. Moi, c'est pareil, mais écoute, moi, j'ai des nouvelles de Fabrice. Fabrice, qui est venu sur le QRM familial, donc c'est la plus...
d'installation. Et puis voilà, sinon rien de plus, voilà, rien de plus. Toujours pareil, moi je bosse toute la semaine, donc après ce sont que des cuissons du week-end. Voilà, donc rien de plus, très bien, rien de plus. Après j'ai pas été voir sur le site des ONR. Je ne connais pas l'actualité, mais sinon après. Ah la vache, j'ai une montée de QRN, là je t'avais complètement perdu là. J'ai fait un retour là sur Eric, hein, parce que là c'est dur là, de mon côté là. Retour de ton côté Eric, excuse-moi, je suis désolé Belphégor, pour une fois que tu es là dans le QSO là avec nous, il faut que je sois envahi de QRM. Ok Eric, tu reprends. Ah oui, alors que bon là ça va, c'est à nouveau baissé. Il arrive pareil que toi ou peut-être un poil plus fort que toi là ici moi sur le QTH. Alors Belphégor, je sais pas si tu entends Eric, mais là hélas, pourtant tu passes fort là. Hein, et sur son QTH, eh bien, ça veut toujours pas quoi. Bah, écoute, moi je me sens super bien. Hein. Ok, bon, c'est bon, ça se stabilise un petit peu au niveau QRM. Eh bien, Eric, il t'entend à 54. Qu'est-ce que t'as fait là pour pas arriver à l'entendre là? T'as mis un mur entre toi et lui ou quoi? Chi trois coups. Écoute, je sais pas, parce que je suis comme d'habitude. Ça fonctionne bien, mais non, je le sens pas du tout. Il est en quoi, directive ou en vertical? Ok, t'es en directive ou vertical? J'ai que la verticale, hein. J'ai des petites verticales qui ressemblent à des petites verticales, hein. Donc là, je comprends tout à fait. La directive est au garage pour maintenance. Il fera sa réapparition au mois d'avril, mai, voilà. Retourne. Ok. il n'est que sur vertical en ce moment. La directive est au garage pour maintenance et elle sera ressortie là où, vers avril-mai. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Mais il est à quel côté? C'est côté quoi? Côté sud ou il est où? Parce que je vais essayer de la chercher, mais impossible. Je vais le sortir, mais alors rien du tout. Hein. Ok, quelle est la ville la plus proche de chez toi, la Belphégor? Bah écoutez, plus courant sur Blue Earth, le QTH qui jette un coup d'œil sur le QTH, là-bas, la chauffeur. Oui, enregistrer le break, putain, il a fallu que j'ai une baisse de QRM juste à ce moment-là. Il y a un break qui m'est arrivé à Santiago 2, là derrière. Oui, en avant. Alors, Bruges, je sais pas, oui, les bandes 73-51 à la station, de la part de Dandy 33, indicatif 14 ODR 002, sur le QTH de Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Voilà, retour sur Eric pour voir si lui t'entend mieux. Pas attendu de vrai pour le 73-51 à la station, mais les invités, 14 Victor Eco 27, Eric QTH, vive la Vernon. Bonjour. Ouais, la station, c'est très très QRP là de mon côté. En plus, j'ai la fréquence qui n'est pas des plus propres. Ça m'arrive avec une radio de 2, noyée un peu dans le QRM. Le
le signal, j'ose même pas en parler parce que c'est dans le QRM avec. Belphégor, est-ce qu'à tout hasard, toi, tu entendrais mieux que nous la station qui vient de rentrer dans le QSO? Bon, je vais essayer de monter davantage de volume. La station qui vient de rentrer dans le QSO, là, je vais monter là aux 3/4, aux 2/3 plutôt le volume. Je vais essayer d'entendre le QTH. Parfait, la station, j'ai entendu, là. Ok, Eric, j'arrive vraiment pas à sortir le QTH. Mais moi je ne me sens pas. Par contre, j'ai entendu la station qui s'est manifestée. Là, je vais essayer un petit blanc. Là, ça arrive fort. À l'avant, la station, je n'ai pas reconnu qui c'était. Donc, bon. À l'avant, la station. Il y a l'autre OM qui parle. Oui, ok, j'entends plus l'autre station. Désolé, la station là qui a rentré dans le QSO, mais c'est très QRP là de notre côté. J'arrive pas à sortir quoi que ce soit. Je t'entends parler derrière, mais c'est vraiment je t'entends parler, c'est tout, mais c'est complètement incompréhensible. J'arrive pas à déchiffrer quoi que ce soit. Il y a eu un autre break d'après Eric, en avant le break. Ouais. Bon, mais ça sort plutôt bien, là, hein. Et puis alors, à part toi, c'est déjà... Et puis tout à l'heure... qu'est-ce que je veux dire? Oh, je sais plus, j'entends personne, hein. Ouais, il m'a semblé entendre quelqu'un là, ça sort plutôt bien ce soir. Je sais pas, j'ai pas tout compris, hein. Affirmatif. Ah, c'est toi qui a pas. Oui, voilà, je reconnais ta voix. Oui, là, il y a Eric qui vient de parler. Là, il y avait une station qui m'arrivait à sortir côte 2, mais c'est à peu près le niveau de QRM que j'ai maintenant. On a vu que ça a baissé un peu. Et la radio complètement noyée dans le QRM. Au point que je l'entendais, je le devinais dedans, mais rien de plus. Bah, écoute, et je m'arrive, hein, toujours pareil. Hein. Qui n'a pas bougé de QTH, il ramonte de Guyenne, voilà, ça passe bien. Bon, mais écoute, je vois qu'il y a du monde, il y a du monde un petit peu, voilà, ça fait plaisir. Attends, j'entends quelqu'un, hé, mais c'est un autre QSO qui est derrière. Ok, Eric, il y a noyé dans le lointain, on entend un autre QSO. Donc, on se gêne pas, donc il n'y a pas de souci, on peut continuer de notre côté, quoi. Ouais, moi, je te dis, c'est complètement bouché, de mon côté, là, ce soir. Pourtant, alors on l'entend, tu vois. Mais moi, il n'y a rien qui arrive, là, ce soir, bon, bien sûr, là. Oui, le break avec le Roger Beep, les bandes sont 1351, toi, de la part de QSO, de National du Canal 27. Alors, les bandes sont 1351, d'Andy 33, QTH Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, en compagnie de Belphégor, qui est sur Marmande, Eric, qui est sur Bordeaux-Sud. Retour à toi, station. Ok, les bandes sont 1351, Thierry, ouais, si j'ai bien compris le prénom,
L'indicatif, avec mes mémoires de poisson rouge, l'indicatif, il n'est pas passé. Ou plutôt, je ne l'ai pas assimilé. Je vais faire un retour de micro sur Eric. 14, 8 ans, écho 27, question Bordeaux Sud, pour voir si lui t'entend. D'accord, je crois que c'est des négatifs au moins, là, ce soir, c'est même pas la peine. Hein. Là, j'ai pas reconnu, je sais pas, tu veux dire à qui c'est, 73-51 station de 14 Victor Eco 27, Eric Bordeaux sur Villain-Lornon. Bon, voilà, vas-y, Rémi, tu feras le question parce que ça ne t'a rien du tout. Bonjour. Bonjour Jean-Paul, les bonnes 73-51 à toi. Ouais, bonjour, bonjour Eric, bonjour, merci Eric, à saluer tout à l'heure. Merci, c'est super sympa de ta part, Jean-Paul. Barbezieux, c'est quel département, ça? Ok, c'est le département 24. Ok, ouais, d'accord, ok. Ah ben, c'est normal que moi, je l'entends à peine. Ouais, Thierry, vu comment je suis placé, j'ai une colline, là, qui me fait barrage. Et du coup, les OM qui sont du côté département 24 ont énormément de mal à passer, moi, là, ici, sur le QTH. Il faudrait que j'attrape la maison, que je la déplace ailleurs, quoi. Je suis trois coups. Fabrice, est-ce que c'est QSL? Là, il parle. Ah non, c'est Charente. Ok, je me suis trompé, Barbezieux, c'est pas sur le département 24, mais apparemment sur le département 16. Ok, désolé pour la petite erreur de QTH. Retour sur Jean-Paul. Oui, ok, Thierry, écoute, moi, tu faut pas dire à qui veut le reprendre, parce que sinon tout le monde va le reprendre à la fois. Donc, c'est pas trop évident. Voilà, donc, vous voulez que tu le passes à Denis ou à Thierry ou à Eric, du moins. Donc, bon, j'étais derrière, mais je voulais pas trop moduler. Je suis en train de regarder quelque chose, alors ça, c'est pour ça. Voilà, retour, Eric, avec les bonnes 73 et les amis du Locura. Ok, enfin la station que j'entends. Alléluia. Oui, les amis, tu n'as pas de soucis. Ça t'entend bien avec Rémi et puis Thierry. Et l'autre station là de Barbezieux, je n'entends pas du tout non plus. Mais je crois avoir compris pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous de votre côté là-bas. Voilà, je pense que le problème vient de là. Barbezieux, c'est après Guitre là-bas, c'est après Guitre, Côte-là, Guitre et tout le derrière là-bas. C'est loin, hein, c'est assez loin là et derrière. Et en plus, c'est pas mal boisé, il y a des grands coteaux, donc voilà, moi je connais très très bien, donc c'est pour ça que je sais où c'est, voilà. Depuis là, je ne me tromperai pas. Oui, je reprends. J'ai compris pourquoi, voilà, parce que toutes les stations sont de l'autre côté, là, voilà. Je comprends bien, là, voilà. Vers le tour, oui.
Hachis trois coups. Non, mais c'est bien connu. Hein. Les stations là, au niveau de la Sibie sont surtout à la campagne, hein, pas vraiment en ville. Hein. C'est ouais, si tu regardes un petit peu tout le monde, voilà, c'est ça. Hein, c'est soit en race campagne, soit dans les villages. Mais dans les grandes villes, on peut les compter sur les doigts d'une main. Hein. Je vais mettre le poste dedans. J'ai juste un petit peu rapproché sur la montée du Mont, mais j'ai faim que vous avez entendu du bruit après. Ouais, quelqu'un voulait reprendre, allez-y. Ouais, tout le monde s'est surpris un petit peu. Ouais, en plus, là, moi aussi, c'est pareil. C'est de ma faute, là, de mon côté, je reprends trop vite. Et assez souvent, on me le reproche là sur Internet de ne pas laisser assez de blanc. Et puis là, tu vois, je refais encore la connerie. Retour, Belphégor. Ça va, il y a de la place pour tout le monde. Par contre, Rémi, bon, je sais que c'est pas est-ce que tu peux faire un petit retour radio là? Est-ce qu'au niveau radio, c'est bon là? Parce que j'ai changé de micro. Ah oui. Surtout que là, moi, le QRM, c'est bon, hein, il est parti. Donc là, toi, la fréquence à niveau propre de mon côté, c'est une radio de 5, vraiment très, très pure, et Santiago 5. Ouais. Ben, ok, c'est reçu. Allez, je laisse la place à tout le monde. Merci, Rémi, pour le retour. Voilà. Retour à tout le monde. Mais si tu vas reprendre Jean-Paul, j'ai pas laissé de blanc là ce coup-ci, je sais. c'est pas la puissance, les watts là qui font que ça fait crière. C'est le micro qui est pas mal poussé. Et tu pourrais avoir 200 watts que là ça serait exactement pareil, ou 10 watts que ça serait exactement pareil, quoi. Voilà, c'est au niveau du micro lui-même, uniquement et seulement le micro là que c'est vraiment poussé, quoi. C'est tout juste si on n'entend pas tous les bruits qu'il y a derrière toi, quoi. Ah, le micro, il est tel que j'ai acheté, il a été réglé pour ce poste, moi j'ai pas touché, il touchait pas. Le micro gain est baissé de plus de moitié. Le micro gain est baissé de plus de moitié, mais que c'est un micro ICOM, moi j'y touche pas, j'y connais rien. Voilà, puisque c'est un truc à toucher par dessous, et je ne préfère pas y toucher, voilà. Ok, ben c'est un super micro, hein, parce que c'est vrai que là il percute, mais du tonnerre. C'est quoi c'est quoi le modèle du micro? C'est un micro ICOM, LMC3, je crois. Alpha Mike 3, non, c'est ça? Oui, non, Mike 3, Mike, oui, Mike, je sais plus ce soir, c'est MC3. MC3, d'accord, ok, c'est noté. Je m'amuserai à faire un petit peu le curieux sur Internet, parce que c'est vrai que t'as la vache hypercute, hein. J'ai entendu parler, je vais relâcher un peu le micro pour laisser la place un peu aux autres stations. Compresseur, c'est peut-être le compresseur qui est enclenché. Non, tu veux l'enclencher, ça t'embrouille pas. Voilà, là il est enclenché le compresseur. Là il est enclenché, oui.
côté, ça veut dire pas pour le moment, hein, mais après les stations où vous êtes plus près, c'est possible que après ça sature, je peux pas vous dire, moi ça va, pour le moment, il n'y a pas de souci. Ah ben c'est mieux que du téléphone, hein. J'en ai au téléphone que j'entends pas aussi fort. Hein. Bon, je vais couper la vidéo là. Comme vous voyez, j'ai là ce soir, c'est pas dans la première demi-heure qu'ils sont venus, mais après. Voilà, fin de la vidéo.